en plus, j'ai une ampoule au pied gauche. Ça n'arrête pas, c'est problème après problème après problème après problème. Regardez! Je ne connais pas ce Pokémon. Mais pourquoi il est enfermé dans une cage? Ça sent le coup fourré. C'est un club oiseau. C'est un Pokémon livraison. J'ai capturé tellement de ces Pokémon que j'ai laissé celui-là dans cette cage. James, la chance nous sourit enfin. Tu vois, à force de se plaindre, ça finit par payer. Vous êtes autorisé à le capturer si vous le désirez. Mais prenez garde, car sous une apparence que l'on pourrait qualifier de débonnaire, se cache un Pokémon puissant. Quel oiseau? Dépêchons-nous de le capturer avant que la chance ne soit plus de notre côté. En avant, en avance! En avance, Mogogo! Mogogo, attaque purée de poids! Quel oiseau? Ça alors, cette espèce de gros poulet vole! C'est une attaque bizarre! Comment sais-tu qu'il s'agit d'une attaque bizarre? Peut-être parce qu'on est en plein blizzard! Ah, oui. Bon, à toi de jouer en piflant! Non, pas moi! En piflant, occupe-toi plutôt de ce cas d'oiseau! Cas d'oiseau, non, pas des hommes, non! Piflore, reviens! Je vois, on fait sa forte tête! Arbok attaque Darvena maintenant! À toi de jouer, Culbut, ok! Vas-y, attaque riposte! Culbutoke vient de remonter dans mon estime. Oui, mais Culbutoke est à moi. Donc il est tout à fait normal que ce charmant petit poulet me revienne. Pas question, il est à moi. C'est moi qui ai battu ce cas d'oiseau. Et alors? Il est à moi. Non, à moi. Il est à moi. À moi. Inutile de vous disputer, ce cas d'oiseau est à moi. Ah oui, on peut savoir qui vous êtes. Je suis heureuse de vous annoncer que vous avez brillamment passé le test. On a passé un test? J'ai même pas révisé. Je suis un agent recruteur de la Team Rocket. Vous êtes quoi? Après vous avoir vu affronter quatre oiseaux, je suis certaine que vous convenez, même avec vos costumes ridicules. Au fait, vous vous déguisez souvent en Team Rocket? Déguisé? Du temps! Vous avez devant vous de véritables membres de la Team Rocket! Alors ça m'étonnerait. Regardez plutôt cette photographie. Ça, c'est un véritable uniforme. Je vous explique. Nous voulions exprimer notre identité en créant nos propres costumes. Oui! Mais aussi exprimer notre sens du style et du bon goût. Arrêtez votre baratin, ça ne prend pas avec moi. Tous les jours, je vois des dizaines de jeunes idiots qui, comme vous, prétendent faire partie de la Team Rocket. Non, mais nous, c'est vrai. C'est la vérité. Ces derniers temps, les autorités nous ont mené la vie dure et malheureusement, nous souffrons d'un cruel manque de personnel compétent. Mais j'y pense, voudriez-vous vous joindre à la Team Rocket? Vous auriez de vrais uniformes. Écoutez-moi bien, nous faisons déjà partie de la Team Rocket. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas crédible.